Alors, première question, justification de la loi binomiale, c'est la fameuse phrase. Donc, on répète 150 fois de manière indépendante une même expérience qui ne possède que deux issues. La première issue, c'est le succès. Quel est le succès? Nous pouvons voir dans l'énoncé ici que le succès, c'est le nombre de pneus hiver n'ayant pas réussi le test de qualité. Donc, succès, le pneu hiver n'a pas réussi le test. Sa probabilité. Pour obtenir la probabilité du succès, on voit dans l'énoncé que parmi les pneus hiver, 96% ont réussi le test. Donc si 96% ont réussi le test, cela veut donc dire qu'il y a 4% qui ne l'ont pas réussi. Nous avons donc X qui suit une loi binomiale de paramètres NP, c'est-à-dire de paramètres 150, 0,04. Deuxième question, quelle est la probabilité qu'il y ait exactement 5 pneus hiver qui n'ont pas réussi le test de, le contrôle de qualité? On doit calculer P de X égale 5. Alors, suivant vos calculatrices, Casio ou Texas, voici les manips et nous obtenons donc le résultat à 0,163. Troisième question, quelle est la probabilité que le pneu qu'il y ait au moins donc 10 pneus hiver n'ayant pas réussi le contrôle de qualité. Au moins 10. Donc si nous prenons tous les cas possibles, au moins 10, ça nous fait tout ça. Tout ce qui est supérieur ou égal à 10. Nous devons donc calculer P de X supérieur ou égal à 10. La calculatrice ne sait pas le faire. Il va donc falloir passer par l'événement contraire. C'est-à-dire que nous allons prendre tout et nous allons enlever tout ce qui est entouré en vert, c'est-à-dire P de X inférieur ou égal à 9. Et maintenant, la calculatrice sait calculer P de X inférieur ou égal à 9. Donc, même chose, suivant votre calculatrice, la manipulation. Et nous obtenons donc 0,92. Donc, la réponse demandée était donc P de X supérieur ou égal à 10 est égal à 0,08.